Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et nous sommes rejoints à l'instant même en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Alors, Catherine, je ne réponds pas parce qu'il est très loin. Il est là, il vous écoute, il vous attend avec impatience. Vous savez bien, tous les jours, c'est son moment préféré de l'émission. Alors Catherine, on va tenter de répondre à la question de Sarah aujourd'hui. Sarah, elle a 31 ans et nous écrit la chose suivante. Mon copain et moi sommes en couple depuis 4 mois, mais nous n'habitons pas ensemble. J'étais sur le point de vouloir rompre avant l'épidémie. Je ne sais pas si je dois attendre la fin du confinement pour lui annoncer ma décision. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, Catherine, si je souris parce que on se dit c'est peut-être pas le moment, effectivement, mais vous allez nous dire si on se trompe. Si elle décide de rompre maintenant, ça va être forcément par téléphone. C'est pas un peu dur là quand même, psychologiquement, c'est un peu délicat quand même, non? Je crois que malheureusement, certains ne s'encombrent pas de confinement et d'ailleurs en temps habituel ne se privent pas de rompre de cette manière-là, ce qui est évidemment pas souhaitable, bien sûr pour l'autre parce que c'est extrêmement violent, mais aussi parce que c'est important aussi de faire face à ses limites et à dire les choses aux gens, les dire les yeux dans les yeux, les dire en laissant aussi à l'autre le droit de s'exprimer, le droit de le souffrir aussi. C'est un respect que l'on doit à l'autre certes, mais c'est aussi un respect que l'on se doit pour mesurer sa compétence à faire des choix dans sa vie et pas fuir l'inconfort pour toujours courir vers une idée du bonheur sans emporter toute la responsabilité, parce que le bonheur c'est aussi la capacité à faire face à ce qui ne nous convient pas, c'est ça la richesse de l'individu, c'est ce qui fait que demain on peut manager des gens et dire que ça va ou que ça ne va pas quand bien même on les aime, c'est ce qui fait que on pourra dire à ses enfants de ne pas faire des choses quand bien même on les aime, sans chercher toujours les rapports de séduction, plaire à l'autre ou ne pas voir qu'on leur plaît pas pour s'illusionner comme si on était toujours désirable et plaisant. Non, nous sommes aussi parfois assez détestables parce que nos choix ne vont pas dans le sens du désir de l'autre. Oui. Jimmy ? Mais est-ce que c'est si grave de se faire larguer alors qu'ils ne sont en couple que depuis 4 mois ? Alors bon, je ne connais pas la nature de leur relation, mais c'est peut-être pas comparable à quelqu'un qui serait, je sais pas, depuis 2-3 ans, 4 mois, on peut se remettre, confinement ou pas, non ? Peut-être, mais vous savez bien qu'avant d'avoir une relation qui a la durée de la vôtre, Jimmy, avec des enfants et une vie qui est construite et qui ne remet plus en question cet amour, il y a eu ces premiers quatre mois qui étaient suffisamment forts pour que vous puissiez tisser, nouer des relations de sécurité, de force. Donc évidemment que l'un peut avoir le sentiment que l'amour n'a pas suffisamment d'ancrage, l'autre peut être très investi, donc ce peut être extrêmement douloureux, quand bien même avec le recul, on peut se dire que rien n'avait été construit, que donc la perte, ce n'est que la perte de l'autre, et pas la perte de ce qu'on aurait créé ensemble si ça avait duré effectivement plus longtemps. Mais en attendant, c'est la perte d'une illusion, c'est la perte d'un projet, et c'est la douleur cuisante des brusqueries du cœur. Et il n'y a pas de temps, ça peut être extrêmement douloureux, bien sûr qu'avec le futur, avec les amours futurs, avec les constructions, on peut le regarder avec beaucoup de sourire parce que finalement la vie a passé et d'autres choses se sont créées, mais dans l'instant de l'amour c'est douloureux parce que notre projet n'a pas abouti, mais c'est aussi douloureux parce qu'on ne se sent pas aimé. Et en temps de confinement où on manque de relations avec les autres, de tendresse en général, affirmée physiquement dans nos présences entre amis, entre collègues, etc., le sentiment d'un désamour est certainement pour les gens les plus fragile, bien sûr, d'autres en feront une solidité à affirmer plus encore, mais sinon ce peut être particulièrement douloureux. Donc soyons vigilants quand on sait que ce sont des temps. On peut aussi se dire qu'avec le confinement, eh bien la personne que l'on va quitter va avoir mesuré que dans ce temps d'absence, finalement elle s'en sortait très bien sans moi et qu'elle pourra encore s'en sortir sans moi une fois que nous aurons rompu. Donc on peut aussi profiter du confinement pour cet apprentissage. Catherine, il se peut aussi que ce jeune homme de l'autre côté, parce que là on n'a que le point de vue de Sarah, mais peut-être que lui il est fou amoureux d'elle et qu'elle va complètement le détruire avec cette annonce. Est-ce qu'elle ne peut pas peut-être y aller un peu doucement, parce qu'elle n'est pas obligée de lui dire directement par texto comme ça lapidaire, c'est fini. Est-ce qu'elle ne peut pas déjà lui envoyer des signes pour le préparer tranquillement? Il est peut-être sensible ce garçon, on ne sait pas, on ne sait jamais.
Ben, j'ose espérer qu'il est sensible, sinon la relation n'avait pas vraiment de sens. Je pense qu'il y a de toute façon un partage de sensibilité. L'erreur est souvent que l'on se dit plus amoureux les uns et les autres que nous le sommes vraiment, ou au contraire, on ne se dit pas qu'on est amoureux alors qu'on l'est vraiment. C'est toujours cette difficulté que nous avons à faire face à nos sentiments. De toute façon, et là, c'est pas l'histoire du confinement, c'est l'histoire des ruptures. Rompre, c'est toujours, si on a un peu, un tant soit peu aimé l'autre, c'est toujours risqué parce qu'on a peur de blesser l'autre, ou alors on est très égoïste et on omet cette éventualité, et auquel cas bien sûr qu'il faut toujours faire attention aux signaux que l'on envoie, c'est-à-dire ne pas laisser penser à « oh oui tu me manques, oh oui tu me manques, quelle horreur ce confinement », alors qu'en réalité il n'en est pas, puisque de toute façon c'est toujours reculer pour mieux sauter, parce qu'il faudra sauter dans ce face-à-face où l'autre tout d'un coup vous vient à corps perdu vers vous alors que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir. Donc en effet, tout en douceur, et tout en sincérité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.